MT House Tour. Donc, on a terminé, en fait, c'est vendredi cette semaine, en fait, demain, qu'on va chez le notaire pour signer le papier de la vente de la maison. Ce mat, cette semaine, incroyable pour vrai, là, il y a lundi, mardi et mercredi, il est allé sur place pour faire du ménage, les boîtes et tout, que pour vrai, je sais pas comment remercier, là, tellement que il a fait d'efforts et tout. Donc c'est ça, là, je te viens en sport parce que c'est la dernière journée qu'on a à la maison, techniquement, en fait. C'est jusqu'à 2h demain, mais je penserais pas y aller demain matin, là. Donc c'est ça, on part pour faire du ménage. Ma mère vient avec moi et ma mère va nous rejoindre là-bas pour faire les derniers, le dernier petit bliss, là, avant de redonner notre maison. Donc je vous ramène avec moi. Allô, allô! On se retrouve dans la maison qui est présentement vide, que je vais faire un tour rapido presto parce qu'il faut aller porter les dernières boîtes chez mes parents, puis après ça, on revient plus. Donc je vous montre ça. Donc ça ici, c'était le salon. On avait mis la télé juste ici, là, puis un divan en L qui faisait le tour ici. Il me reste quelques affaires à ramasser, puis après ça, on va être prêt à partir. Donc ici, on avait un air climatisé. On avait aussi une grande table qui était ici. J'avais mon petit coin à café. Puis évidemment, on avait un arbre à chat qui était ici. Donc ça, c'est la cuisine, qui est maintenant toute vide. On laisse les petits bancs. Ça fonctionnait comme plus pour nous. J'ai trouvé super beau, donc je suis sûre que les nouveaux propriétaires vont l'aimer. On laisse aussi le lave-vaisselle. Donc ça ressemble pas mal à ça. Ce qui était fun de cette cuisine-là, c'est qu'on avait des grands tiroirs. On pouvait mettre tous nos beaux produits plastiques ici, nos chaudrons. On avait aussi. Donc c'est pas mal ça. On avait Matt, en fait, qui avait choisi un beau plancher chaleureux. Puis c'est ça, dans le fond, le cabanon qui était pas fini, qui on était capable de le vendre comme ça. On laisse les meubles extérieurs, le grand balcon. Et voilà, si on continue. Puis, point que j'adore, ces luminaires-là, c'est sûr et certain que je vais vouloir les mettre dans notre prochaine maison. Donc, ici, on a la salle de bain. Et il reste une petite peinture à mettre, à ramasser. Donc, ça ressemble à ça, une belle grande douche avec la céramique éphémère. La toilette et le bain. Et bien sûr, une très belle vue sur la forêt. C'est la chose ici qui va nous manquer le plus. Donc vraiment des très grandes armoires, un beau grand tiroir avec un beau petit comptoir en bois. On avait rajouté justement le support à serviette ici avec les supports de papier de toilette qu'on laisse. C'est quand même, quand on ménage, c'est quand même pas pire. Après ça, ici, c'était mon bureau. Donc, vu que je travaille quand même 75% du temps à la maison. Donc, une super grande chambre, je vais vous montrer juste comme ça. Un beau petit luminaire. C'est 10 par 10, là, environ. Encore une fois, une belle petite vue. Avec ma piscine gonflable, qui est à l'envers. Puis, ici, il y a quand même un beau walk-in. Déjà dans la pièce d'accord. Donc juste ici, puis il y avait une petite lumière. Donc super grave en L, comme ça. Donc là, c'était parfait pour mettre son ses kits militaires. Pour ça, j'ai fermé les lumières. Après ça, on avait une petite remise ici pour la lingerie, là. Dans le fond, tous les produits ménagers, puis les linges à vaisselle, puis tout là. Donc ça, ici c'était notre chambre, donc un beau petit luminaire ici, en chandelier si on veut, puis c'est une très grande chambre, on mettait notre lit queen ici, avec les fenêtres qui étaient super fermées malheureusement, à cause qu'il venait chez les voisins, donc encore là, très belle maison, là, on s'entend. Puis toute neuve. Puis un beau walk-in en U
pour cette chambre-là. Donc, pour ceux qui me connaissent, Matt avait cette partie-là ici. Puis moi, j'avais ici, puis ici, que j'avais mis dessus. Mais tout rentré. Puis on va continuer. Après, j'ai juste mis une lumière. Ça. Ah, salut. Bon. Donc ici, le sol n'était pas fini. Ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de le peinturer, mais comme vous voyez, ça n'a pas tant duré. Là. Ça a vraiment ça a décollé. Là. Nous, on avait déjà amené les chaises de bureau ici, puis ça a tout décollé, mais on s'entend que c'est du béton. Donc c'est ça, les murs n'étaient pas finis, il restait encore un tirage de joint à faire. On est arrivé par là, il y avait une balaie centrale qu'on a fait installer aussi. La tanque à eau chaude. Ici, on avait nos laveuses sécheuses avec le petit robinet pour l'aquarium qu'on avait en bas. Puis ici, moi, j'avais mon petit coin couture. On avait une étagère justement pour, en fond, juste ici là, pour mettre tous nos extras de Costco. Là. Puis ici, on avait fait un petit gym. Puis on laisse le tapis roulant ici vu qu'il était trop difficile à déménager. Puis il reste les stores. Donc, c'est pas mal ça pour le house tour. House tour, en tout cas, je sais que je le dis mal, mais c'est pas grave. Donc, on a vraiment aimé ça. On a été ici pendant au moins un an. Puis là, c'est ça, on déménage vraiment plus proche là, de la ville et tout. Donc, on est très heureux d'avoir écouté. Vous pouvez liker et commenter. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!